Vous avez peut-être vu des photos ou des films où on voit un chien ou un chat qui se pose la tête contre un mur. Et chaque fois, on l'enlève, on le distrait, il revient, il pose sa tête, son front littéralement, contre un mur. Ça veut dire qu'il souffre, qu'il a mal à la tête. Mais il faut le sentir pour s'apercevoir que c'est... On sent le mal de tête d'un animal dans sa propre tête. C'est assez étrange, mais c'est comme ça qu'on comprend qu'il y a un problème et qu'il va falloir trouver la source de cette souffrance, etc. Et quand vous l'aurez fait une fois, vous allez voir la reconnaissance que vous en donne ces animaux, c'est assez hallucinant. Ils sont prêts à se sacrifier pour vous parce qu'ils sont vraiment reconnaissants. Ce n'est pas le cas de nous autres, on n'accorde pas grand-chose à la santé, mais eux, si.